Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Tiramisu à la ferme. Allez, observez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Bien. Sur l'image, on voit les canards emposer le seau. Ils sont arrêtés d'arroser les plantes. Toujours, les poules marchent sur la locomotive. On voit le coq qui est perché sur le ballon et qu'il bat ses ailes. On a l'impression qu'il vole. Et le petit loriot qui s'appelle Tiramisu essaye de voler. Peut-être qu'il a réussi. Et voilà, le coq parle avec Tiramisu. On voit aussi la vache et son veau et la tortue. Regarde Tiramisu. Maintenant, écoutez bien l'histoire. Tiramisu, l'oiseau qui ne pouvait pas voler. Tiramisu à la ferme, épisode 2. Tiramisu était heureux à la ferme. Il chantait du matin au soir, et son chant était si beau que les animaux ne se lassaient pas de l'écouter. Seul le coq pensait « Si ce maudit Tiramisu disparaissait, c'est mon chant qu'on écouterait !» Et Tiramisu, lui, se disait parfois en regardant la lune « J'aimerais tant voler pour partir découvrir le monde !» Un jour, un grand vent du nord se lève. Il fait tourbillonner la poussière et les feuilles dans la cour de la ferme. Le coq saute de son ballon, s'approche de Tiramisu et, d'un coup de bec, l'envoie au milieu du tourbillon. « Je vole !» s'écrie Tiramisu. Maintenant, on passe à la lecture. Orange, oh, orange, oh, soleil, so, soleil, so, locomotive, loco-mo, locomotive, loco-mo, potager, pot, potager, pot, eau, 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 saut, 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 laurier, l'eau, laurier, l'eau. Auto, 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 eau, orange, orange, eau, laurier, laurier, eau, eau. Un chameau dans un bateau sur l'eau. Oh, c'est rigolo. Une tortue sur une moto. Hi, hi, c'est rigolo. Un loriot sur un chapeau. Oh, hi, hi. Oh,
C'est rigolo. Mais le plus rigolo, c'est mon ami Malo.